Salut à tous amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale ouverture Pokémon. Forcément, c'est un rendez-vous quotidien en ce moment. Et aujourd'hui on va ouvrir un objet que j'attendais avec impatience. C'est le nouveau coffret dresseur d'élite avec point de fusion. Voilà, point de fusion qui est arrivé, donc nouvelle extension. Et on n'en a pas qu'une, ça serait trop facile, ça serait trop rapide. On en a deux. Deux Elite Trainer Box en point de fusion. Je suis trop heureux, il y a des cartes magnifiques. J'espère de tout cœur qu'on va tirer au moins une fois une alternative. Je n'y crois absolument pas les gars. Je vous le dis honnêtement, je n'ai pas de chance. Donc on verra bien. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous invite à le faire. C'est important, ça soutient la chaîne. À lâcher le petit pouce si ça vous plaît également. J'espère en tout cas voilà, que ces vidéos-là vous plaisent. Je fais ça en mode chill, en mode tranquille, en mode détente. Et ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas également de partager, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, de lâcher aussi le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette extension, de ces ouvertures de cartes. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est hyper important. Bon, du coup, les amis, on a notre petite box qui est juste ici, regardez comme elle est juste magnifique, point de fusion trop belle avec le petit Mew, voilà le côté un peu psychédélique, c'est une extension qui se veut psy, Pokémon psy, voilà. Pour avoir vu quelques cartes et déjà quelques vidéos, il n'y en a pas beaucoup, hein. c'est dommage parce que c'est une extension qui mériterait du coup qu'on s'attarde plus dessus, mais regardez-moi ça, voilà, très belle box et on voit du coup le détail à l'intérieur de ce qu'il y a, donc il y a 8 boosters points de fusion qui sont juste là. Bon, on a forcément les énergies, les jetons, les dés, etc. Et forcément, on a les petites... Hop là, les petites slips pour protéger les cartes. Et là, je sais pas ce que c'est, donc on va voir ça, on va découvrir ça maintenant, on va l'ouvrir. C'est parti les amis. Alors, petite ouverture, tel un coffret. Et on a... Ah oui, c'est vrai, il y a le petit guide. On a le petit guide qu'on va ouvrir maintenant. On va voir un peu vite fait ce qu'il y a dedans, hein. Rapidement, parce que faut pas trop... voilà, je veux pas trop me retenir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, un peu tout ce qu'il y a, hop. Alors si, je vais vous montrer juste la carte que j'aimerais avoir. Déjà les ectoplasmas, voilà. Ectoplasma, donc on a le V, on a le V max, et il y a un alternatif qui est magnifique. Alors attendez, je vais essayer de le trouver. Je sais pas s'ils sont là, pas là, à la fin peut-être. Hop, je veux pas trop voir, parce que je vais essayer de garder un maximum de surprises quand même. Ectoplasma alternatif, regardez, il est juste ici, il est juste sublime. Là c'est celui-ci, regardez-moi ça, comme il est beau, il avale tout. C'est trop bien. Donc voilà, j'espère qu'on l'aura, on verra, ça sera la surprise. Et donc voilà, on a notre petite box qui est juste ici, point de fusion, voilà, qui brille dans tous les sens. Et on ouvre, hop, et comme d'habitude, voilà. Donc là, on a le petit livret, ah, c'est le petit livret, voilà, avec les règles, comment jouer, etc, etc. Bon, ça change pas. Petit livret sympa si jamais vous voulez jouer, d'ailleurs, c'est un jeu qui est très sympa à jouer. Beaucoup de gens ne jouent pas et collectionnent juste, mais à jouer, c'est très bien aussi. On a, hop là, forcément, les petits jetons qui sont juste là. Hop là, voilà. Les petits dés, ils sont très beaux par contre. Les dés sont magnifiques. J'aime beaucoup les dés. Et donc ensuite, on a nos petits boosters. Point de fusion, oui. Donc, hop là. Voilà ici, les illustrations. Ectoplasma, Mew. On les veut, on les veut. Voilà. Bon. On en a 8 qui sont là, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On croise les doigts, les gars. Ils sont là, ils sont là. J'espère vraiment qu'on va avoir ce qu'il faut. Et donc, après, on a... les énergies, hop là, on a les petits séparateurs pour faire, en fait on peut utiliser la boîte après pour ranger les cartes avec des petits séparateurs qu'on met dedans comme ça et ça permet de séparer peut-être les cartes par genre, par série, etc. C'est toujours sympa et on a les petites sleeves Mew qui sont très jolies, voilà, je les aime beaucoup. Je sais pas si je vais utiliser là particulièrement, mais en tout cas c'est très sympa. Et on va commencer forcément, parce que là c'est ce qu'on attend le plus, c'est l'ouverture. Donc on va commencer par un petit booster Mew. Il est trop chou, j'aime beaucoup. Point de fusion, oh, mais je tiens à l'envers, point de fusion. Il est très mignon, et donc c'est parti, on va découvrir ça maintenant. Je stresse de ouf. Alors je pense que c'est 1, 2, 3, 4, je suis pas sûr. On va voir. Petite surprise. Du coup les codes ont changé, vous avez vu? C'est des nouveaux codes. Hop là, hop. Voilà pour vous les amis, 1, 2, 3, 4, on va tenter le 1, 2, 3, 4, je suis pas sûr, mais on y croit. C'est parti, premier booster point de fusion, oh là 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 là. Donc on a énergie ténèbre, lampe roi, un saut lourdeau, danseuse, miaouz qui est très mignon, j'aime beaucoup ce petit miaouz, Maril, Galvaran, qui est pas très beau, c'est un des moins beaux pour l'instant que je vois, Moumouton qui est tout mignon.
tournicoton, des courbettes de l'avant arrière en reverse, et on finit avec un... Oh ! Un lagron en holo. On commence avec une holo pour commencer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Très joli ce petit lagron, regardez. Franchement, l'illustration est très belle. Bah écoutez, on commence pas mal. On commence pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais isoler l'holo. Juste pour qu'on fasse un peu voir le ratio. Parce que, chose que j'ai oublié de vous dire, ce qui paraît, le ratio de... la probabilité d'avoir des bonnes cartes à ce niveau, au niveau de Point de Fusion sur les... Dresseur d'élite, elle est pourrie à ce qui paraît. Tout le monde a que de la malchance, donc on va voir. Hein. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça va bien se passer. On verra ça. Hop là, deuxième petit booster. C'est parti. J'ai peur. Mais qu'est-ce que j'ai peur? Petit ectoplasma. Hop là. Le petit code, c'est pour vous les amis. Et donc, 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va avoir un peu de chance? Donc, énergie eau, crise acier, passe de combat VIP, Togé des Malou, Fantirme, Makuhita, Minizange qui est mignon, Darumaron de Gala, Gripad que je déteste, c'est Pokémon que je déteste, c'est moche, Corvaius en reverse, très très beau, très très joli ce petit Corvaius. Et on finit avec... Et ben voilà, on commence avec une petite V. Et regardez. Petite V. Qui est-ce qu'on va avoir? Hop. Ah. Ah. Rongridou. Rongrigou. Alors, c'est une V, c'est sympa, mais bon, c'est pas... C'est pas The V, quoi. On va pas se mentir, les gars. Il y a mieux comme carte. Mais bon, ça reste sympathique. On va quand même la protéger. Mais bon, j'espérais quand même un petit truc un peu mieux, quand même. Voilà, toi-même, tu sais, quoi. Genre un petit ectoplasma. Allez, troisième booster. C'est parti. On y croit. On y croit, s'il vous plaît. Hop là. Cadeau pour vous, les amis. Et... Que le dieu des cartes soit avec nous. C'est parti. Énergie acier. Pandarbar. Oh, très belle illustration. Très très beau. Regardez-moi ça. Krakos. J'y arrivais. Exavaren. Gobou, très mignon. Sablette qui est très chaud aussi. Oh, j'aime bien. Hein. Charivari. Grimalin. Frissoni qui est pas... Ouais, bon. Pas terrible. Crapaudo en reverse, donc reverse commune, ok. Et on finit avec Scolossandre. Wouh! Bon, premier booster, bof, c'est une rare, mais bon, Scolossandre, c'est vraiment un Pokémon qui me... Voilà, hein, c'est pas terrible. Quoi. Allez, quatrième booster, on a déjà fait la moitié. Enfin, la moitié de la première dresseur d'élite, hein, voilà, vous emballez pas, on en a encore un peu. Donc c'est parti, hop là, tac. 1, 2, 3, 4, et on y croit, go les amis. Hop là. Donc, énergie psy, écolier, colossinge qui est très beau, j'aime bien. Oh, c'est une rare. Zaroud, très joli aussi. Deuxième rare. Nounourson, Bacabou, Posipi qui est très chou, j'aime beaucoup. Goupix, oh, il est adorable. Oh, il est magnifique le Goupix, franchement. Pff. Hop. Meltan, ouais ça va, ça colle. Ah. Colossinge en reverse, qu'on avait déjà du coup. Et on finit avec un Muplodocus, qui est très beau en rare. J'aime beaucoup l'illustration, très sympathique. Bon, c'est une rare classique, pas holo ni reverse, mais ça reste quand même des jolies cartes. Et puis de toute façon, j'en avais aucune, donc là ça va permettre de compléter la collection. Hein. Voilà, les premières cartes, c'est bien, ça complète la collection. On enchaîne. J'ai peur. Hop là, c'est parti. Il nous en reste 4 du coup. Ça y est, on attaque la deuxième moitié de ce premier coffret. Ah, j'ai peur. Allez, énergie feu. Damien. Échange croisé. Crocodile. Onyx, très beau. Oh, Rondoudou, il est trop mignon, regardez. Oh, il est trop chou. Oh, j'adore le Rondoudou. Fermite. Flamajou, Negapi, Ariyama, très beau en reverse rare.
Regardez, hop là. Et on finit avec un Yveltal classique, pas Rivers Paolo, mais très belle illustration quand même. Ça vaut pas celle de Célébration, mais très beau quand même. Bon, c'est bien parce qu'en soi, on n'a pas beaucoup de doux pour l'instant. Ça va pour l'instant, on verra après. Mais on n'a qu'une V pour l'instant. Ouh là 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 là, que se passe-t-il? Serait-ce vraiment la loose sur cette édition? Ça se pourrait les amis, hein. Franchement, j'ai un peu peur. Alors, c'est parti. Énergie combat. Delcati, magnifique. Darkrai. C'est pas une illustration qui existe déjà, celle-là, ça me dit quelque chose. J'avais pas en full art, un truc comme ça. Ils se ressemblent tous. Crocodile qu'on a en double. Toxizap, qui est très beau, très mignon aussi. Starry, magnifique. Mistybulle aussi, qui est très beau. Makuhita. Flotajou. Vostourneau en reverse. Ok. Et on finit avec Electrode en rare. Bon, rien de fou. On dirait pas non à une deuxième petite V, une V max. Ça serait bien. Oh my god, pitié. Allez, on baisse pas les bras, les gars. On baisse pas les bras. Faut pas baisser les bras. Faut y croire jusqu'au bout. La chance, des fois, nous a souri au dernier moment. Hein. Franchement, c'est déjà arrivé. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. Énergie foudre. Minotope. Moumouflon. Très mignon. Hop là. Gant spongieux, je vais y arriver. Balbuto. Corraillon de Galar, très mignon, on dirait une version zombie. Quillfish. Goopix, très très chou celui-ci de Goopix. Oh, le Vénard. Ah, il est chou, regardez-moi ça. Les Vénards et Rondoudou sont toujours mignons, de toute façon. Flingouste, bon, voilà, en commune reverse. Et on finit avec un Grolem, qui est par contre très très beau. Qui est en train de faire l'explosion. Ben voilà, explosion désespérée. Une rare. Bon. Dernier booster. En 8 boosters, avoir une seule V et une seule holo. Sur les deux, que les deux premiers boosters. En plus, là, depuis, on n'a rien eu. Mais vraiment, genre, rien du tout. Donc, soit on a de la chance sur ce dernier booster. Soit c'est vraiment une élite trainer. On va pas dire le mot, hein, mais pourri, quoi. Voilà, vous m'avez compris. Hein. Alors, hop, ça, c'est pour vous. 1, 2, 3, 4. Énergie plante, éclat d'Inésia, Chelours, Skatepark, Larvaillette, Hermure, Lipoutou, purée, la bouche qu'ils l'ont fait. Je vais rien dire, je vais pas être striké, mais bon voilà. Démanta, Larvibule, Crocodile en reverse, et on finit avec. Ah ben voilà! Eh ben voilà! Une V! Voilà, une V, je sais pas qui c'est, mais une V. Tonnerre, c'est Pikachu. Oh, bien. Petit Pikachu V. C'est propre. Franchement, il est beau. Bon, ben, on finit quand même sur une note plutôt positive. C'est du V, hein, c'est pas du V max, hein, et c'est pas de la secrète. Dans le premier coffret, on a eu une holo, un lagron. Ok. Et 2V, donc on a eu le Rongrigou. Rongrigou, j'arrive pas à dire, c'est moche. Bon, de toute façon, c'est pas ouf comme carte, hein, on va pas se mentir. Mais toujours une V. Et on a surtout le Pikachu qui est très beau, par contre. Le Pikachu est très très joli, très mignon. J'aime beaucoup les effets avec l'éclair qu'on voit bien apparaître avec, avec les effets lumineux, mais c'est très très beau. Donc, bon, première ouverture. C'est pas ouf. On va pas se mentir. C'est pas ouf. Mais. On ne perd pas espoir, les gars. Voilà, on ne perd pas espoir. On va attaquer la deuxième box tout de suite, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas s'attarder sur les détails de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la même chose. Alors, deuxième dresseur d'élite, on y est. Regardez, on a nos 8 boosters également qui sont là. On va commencer. On va faire dans l'ordre. On va même pas mélanger ou autre. On va commencer directement dans l'ordre. On a un petit ectoplasma pour commencer. C'est parti, mon kiki, comme on dit. Hop là. Allez, on espère que cette fois-ci, il y a un peu plus de chance sur la deuxième. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, c'est pas... Donc, énergie foudre, je me place bien. Cuisinier, et je crois qu'on a rien. Hop là. Volcaropode. Chrysapil. Moumouton, bon, on commence à avoir des doubles. Hein. Pandespia, qui est très très beau, en mode je regarde le coucher de soleil.
Daru Moiron de Galar. Oui, Messire, qu'on n'avait pas, qui est très chou. Oh, trop bon, mode soubrette un peu, c'est très mignon. Caninos. Crisacier en reverse peu commune. Et on finit avec l'Euphorie en rare. Très beau. Regardez-moi cette illustration qui est magnifique. L'illustration est très belle. Très très jolie. Bon, ça commence pas bien. Au moins, bon, on a quand même des cartes sympas. Il y a peu de doubles. Pour l'instant, franchement, j'ai pas plein. J'ai pas non plus des tonnes de doubles. Après, où sont les cartes rares? Enfin, où sont les très belles cartes surtout? Alors, c'est une extension. C'est pour ça que je dis que j'ai pas beaucoup de doubles, parce que c'est une extension qui a beaucoup de cartes. Je sais plus combien il y en a, mais j'avais regardé, je crois qu'il y en avait beaucoup. Donc, on va voir ça. Énergie combat. Danseuse. Brutalibré. Loclas, très très beau. Evoli, très beau. Lixi. Escargome. Rototope. Sapero, qui est trop beau. Alors, je suis pas fan de ce Pokémon, mais j'avoue que là, il est beau. Écolier en reverse. Et on finit avec Viridium en rare classique. Bon, au moins, vraiment, j'ai pas beaucoup de doubles. J'espère que la collection la complète bien, au moins, comme ça. Mais c'est déjà le deuxième, il en reste 6 et je n'ai toujours rien. Voilà. Ça promet. Hop là. 1, 2, 3, 4. Ok, les gars, on y croit. Énergie feu. Rapid ball. Attendez, je me mets un peu loin. Astakuda, trop moche. Excusez-moi. Pachiraja. Très beau, par contre, l'illustration magnifique. Très belle illustration. Snubble. Il est chou. Krakayou. Gripat I2. Trousselin. Ouais, ça va. Feuillajou. Gamblast. Ok, c'est une rare. C'est une rare? Non, c'est une peu commune reverse. Et on finit avec Yveltal à nouveau, que j'ai déjà et qui n'est toujours pas holo ou autre chose. Donc. Aïe aïe aïe! 3 boosters! Il en reste 5. Oh mon dieu! On a toujours rien, les gars! On a toujours rien! C'est un truc de fou! Je crois que j'ai jamais eu aussi peu de ratio. Oh là 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 là! 1, 2, 3, 4. Les gens avaient vraiment raison, hein. Et c'est impressionnant quand même, hein, comme c'est pas terrible. Alors, énergie eau, écolière, Armando Rachidenoa, Pachiraja, Flotajou, Evoli, ah là il y a beaucoup de doux par contre, Lixi, Rototope, Escargome, Demeteros, qui est très beau, en rare reverse, ok. Et on finit avec... Oh, oh, on a une gold. On a la 284 sur 264. Ok, bon, à mon avis, c'est une énergie. Hein. Je pense que c'est une énergie parce qu'il y a du rouge. Énergie feu en gold, canon. Par contre, elle est canon. Alors, je suis pas fan des dresseurs et tout comme ça, mais énergie canonissime. On dirait une énergie de Noël, quoi, le truc... Bon, ben, on protège direct, hein, mais on dit pas non. C'est bien d'avoir une gold dès le début de la deuxième Elite Trainer, donc c'est bien. Ça compense un peu la loose qu'on a jusqu'ici, hein, mais ça va. Franchement, bon, y a pire, elle est belle, hein. Elle est très très belle. Hein. Bon, en tout cas, je suis content. Je me suis pas emballé parce que voilà, c'est une énergie. Mais c'est une gold. Les gold, c'est dur à avoir quand même. Donc, on va pas se plaindre. Hop là. 1, 2, 3, 4. Allez. On espère qu'il y en aura encore, pas une gold, mais voilà, je me suis fait comprendre. Énergie, Fenard, ouh, magnifique Fenard, très très beau. Togedemaru, Rapid Ball, Feuillajou, Charibari, ça y est, on commence à avoir plein de doubles. Scorplane, magnifique, très très beau Scorplane. Limagma, Skitty. Araqua, que je n'avais pas, donc tant mieux. Et Zeraora, qui est très beau. Pareil, très belle illustration. Bon, ça va.
c'est voilà. Une deuxième, il faudrait au moins une deuxième, c'est pas possible. Pas sur 8 boosters avoir juste une gold. Non. Je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord. Et si franchement on a rien depuis, je ferai un truc en plus. Je peux pas partir sur une défaite en fait. Pas comme ça. 1, 2, 3, 4. On y croit un petit peu quand même ou pas? J'y crois pas trop là. Allez, énergie feu. Pastille puissance. Chelours. Disparaît-il. Coquillasse qui est très mignon. Enfin que j'aime bien la carte. Rototope. Lixi. Aïe, ça pue. Laporeil. Bargantua. Papillusion en reverse rare. Très très beau. Alors j'ai un pote qui l'a eu en holo. Et moi je l'ai eu en reverse. Ok. Et. Luxray. Aïe, les gars, ça pue. J'ai eu genre une holo, deux V et une gold. C'est quoi ce ratio? Alors. Hop, petit bout de plastique, c'est parti. 1, 2, 3, 4. J'y crois vraiment plus, les gars. C'est un truc de fou, mais j'y crois vraiment plus. Énergie. Ah, Berserk 4 de Galar. Énergie, point de fusion. Éclat d'Inésia. Gripat, mais il est vraiment laid. Hein. Trousselin. Feuillage ouf. Moumouton. Pandespiègle. Zaroud en peu commune reverse. Et on finit avec Corvallus en rare. Oh mon dieu. Mais c'est pas possible. J'ai 3 cartes. C'est un truc de fou. Mais là j'y crois plus du tout. Hein. En vrai là, c'est une catastrophe. Alors je suis content d'en ouvrir, attention. Hein. Et j'ai des cartes. Ça me permet d'avoir plein de cartes que j'ai pas. Mais je suis un peu choqué. Je vais pas vous mentir. Hein. Allez, c'est parti. Énergie. Nigomix 3000, Skatepark, Belle de Neige, très beau, Lixi, Escargot, Rototop, Sapero, Gobou, Belle de Neige en peu commune au reverse, et on finit avec l'Euphorie. C'était vraiment, je vais pas vous mentir, l'une de mes pires ouvertures. Mais c'est un truc de fou. Regardez ce qu'on a eu. Voilà. On a eu une holo, Lagron. On a eu Rongrigou en V. Pikachu V, qui est très beau, hein, je l'aime beaucoup, attention. Et on finit, alors ça c'est la plus belle, mais c'est pas forcément ce que je voulais, avec une gold. Voilà, une secrète gold. On a eu l'énergie feu. Mais je suis ultra déçu. Hein. Je ne m'attendais pas à faire une ouverture aussi... Bah, c'est triste à dire, mais c'est pauvre. Après, toutes les cartes, il y en a plein que j'avais pas, donc ça c'est cool. Mais après, c'est une extension qui est tellement grande que, ouais, mais avoir juste 2 V et une énergie gold sur 2 coffrets de Ressort d'élite, c'est pas terrible. Hein. Est-ce qu'on ferait pas une petite ouverture bonus? Bon, vu qu'on a pas eu de chance, on va tenter le coffret Ronflex V. On va tenter, hein, voilà, je promets pas. Donc, coffret Ronflex V. Qu'on a juste ici avec la carte V Ronflex, la carte géante Ronflex et on a 4 boosters donc je crois que c'est des évolutions célestes, on va vérifier ça tout de suite. Alors les gars, le petit code, hop là, donc on a la carte V Ronflex, voilà c'est déjà ça, c'est un lot de consolation au cas où. Donc petite carte Ronflex qu'on va protéger dès maintenant parce que je prendrai pas de risque, hein. C'est voilà, on rajoute avec la liste des cartes qu'on vient d'avoir hein, parce que c'est vraiment pas terrible. On a la fameuse carte géante qui est très très belle, franchement elle est magnifique. Le Ronflex, j'adore la pose, très très dynamique, j'aime beaucoup. Et donc ensuite on a, hop, 2 boosters évolution céleste qui sont juste là. Un booster soleil et lune éclipse cosmique que je n'ai jamais ouvert, donc j'aime beaucoup le packaging. Très très beau, avec Melo, Toudoudou et Togepi. Et on a un voltage éclatant, en espérant que cette fois-ci, on a un peu plus de chance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, moi j'ai envie de commencer par Eclipse Cosmique parce que je connais pas. C'est trop mignon. J'ai trop envie d'ouvrir. Je suis un vrai gosse. Non, franchement, je m'éclate. C'est pas parce que j'ai eu des cartes pas terribles que je suis, que je suis déçu. Hein. Mais on va dire, c'est juste le ratio qu'on a. C'est pas exceptionnel. Après, j'ai pas eu beaucoup de doubles, donc ça, j'ai pas m'en plaindre. Comment ça marche? Donc on va voir. Hein. Est-ce que c'est un 2, 3, 4? Je tente. Je ne sais pas.
Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok, donc on a énergie plante. Oh mon dieu! Mais qu'est-ce qu'il est beau! C'est quoi ce colis? Mais il est magnifique! Appel aux escouades. Sinistrai, mais ils sont beaux! Bébé Kai, mais c'est quoi ces cartes magnifiques? Ça existe ça? Vivaldin, mais elles sont sublimes! Bon, là c'est moins beau. Gringolem. Araqua. Ah voilà, on passe sur les moins belles. Capuma. Wailord en rare reverse, très belle. Avec la goutte là, c'est super beau. Et Minotaupe en rare holographique. On a une deuxième, on a une holo. Voilà, on commence un booster, on a une holographique. Mais c'est fou quand même. Ensuite, on va passer à Voltage éclatant. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Energio. Megavolt. Ténéfique, c'est très très beau. Fromage meumeux. Miaouz de Galar. Axoloto. Oh, le Salamèche, il est trop chou. Je suis pas fan de Salamèche, mais il est trop chou, j'avoue. Nirondelle. Chauve-sourire, très mignon. Riolu, très beau. En peu commune reverse. Et on finit avec Regirock en holographique rare. Voilà, deuxième holo. Il n'y a pas un problème avec Point de Fusion. Vous êtes trompé en faisant les boosters ou qu'est-ce qui s'est passé en vrai là? Parce que I don't understand là. Allez, évolution céleste. Là j'espère parce que c'est une collection que j'essaye de compléter. Hein. Je l'ai bien entamée. Donc il nous reste beaucoup de choses à ouvrir en évolution céleste. J'ai pris beaucoup de retard sur les vidéos, mais j'en ai beaucoup encore à ouvrir, donc il y a moyen qu'on complète bien la collection. Et on a une Elite Trainer Box d'ailleurs à ouvrir sur évolution céleste. C'est parti. Énergie Foudre. Béca Glaçon. Floravol. Badge Élémentaire. Zoroark. Exagel. Chlorobulle. Pour l'instant je les ai toutes. Grelaçon. Soporifique qui est très beau comme ça. Guerrier Aigle et Flambusard. Ah, je l'avais pas. Cool. Flambusard en rare. Bon, écoutez, celle-là, je l'avais pas. C'est pas une rare reverse, solo ou n'importe quoi. Mais je l'avais pas et j'ai quand même bien complété pour l'instant Évolution Céleste. Et il m'en reste beaucoup à ouvrir, donc c'est cool. Le deuxième booster. Et après, ça sera la fin parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Bande de petits coquinous. Hein. Je sais que vous en voulez encore, mais bon. Faut bien que je garde des cartes pour faire d'autres vidéos, sinon la vidéo serait trop longue. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo qui va revenir avec Océane. Et oui, haha. Donc ça, c'est pour vous. Et le dernier booster, on y croit. On verra, ça sera la surprise. Hop là. Donc, énergie combat. Ursa Ring. Caverne de cristal. Jouet attrapeur. Barpo. Hippopotas. Ponchio. Goupilou, Grelaçon, Floette en rare, en peu commune reverse, et on finit avec Scarabrut. Et ben franchement, cette ouverture m'aura pas porté chance du tout. C'était vraiment une ouverture de merde, les gars. Et franchement, là, on peut le dire, c'était vraiment une ouverture de merde. Alors, on a quand même eu deux holographiques, on va pas s'en plaindre, et la V du Ronflex, mais c'est tout ce qu'on a eu. Voilà. En plus, je me suis dit, on va ouvrir un coffret, on aura peut-être plus de chance et tout. Tu parles, voilà, chance. J'ai plein de trucs derrière moi. Il a fallu que je choisisse les trucs où il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, au final, si on prend le bilan global, hein, Regirock, Minotaupe, le Ronflex V, l'Energie Gold, le Pikachu V, le Rongrigou, qui est voilà ce qu'il est, et le Lagron en holographique. Bon, écoutez. C'est quand même des cartes, il y a quand même beaucoup de cartes que je vais pouvoir ranger dans ma collection et débuter enfin du coup la nouvelle collection sur Point de Fusion. Mais on va être honnête, Point de Fusion pour avoir des belles cartes, ça va être assez compliqué, on va voir se lever tôt. Hein, parce que déjà, les trainer box, il y en a quasiment en a plus de toute façon pour l'instant. On va attendre les boosters, les tri-packs et les boosters à l'unité. Croisons les doigts hein, que voilà. Je vous avais dit qu'il y avait plus de célébration. J'ai réussi à en avoir du célébration. Donc, on va refaire du célébration avec Océane, normalement, si tout va bien. En tout cas, les amis, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à lâcher vos plus beaux pouces bleus pour me soutenir dans ma dépression après cette ouverture un peu catastrophique, on va pas se mentir.
Même si ça fait plaisir, il y a toujours des cartes intéressantes pour compléter la collection. Puis ouvrir des boosters, c'est vraiment du plaisir, j'aime tellement ça. Donc voilà, c'est une déception, mais à la fois, c'est que du bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche. Je compte sur vous les amis, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez positifs. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.